On continue. Maintenant, je corrigeais un tout petit peu le visage parce que il était un peu déproportionné. Tout ce que j'essayais de faire, c'est de marquer certaines ombres, certaines lumières, pas plus, hein. Je suis en train de travailler, je pense que ça s'appelle dentoïde. Oui, c'est ça. Je vais jouer avec un peu les deux pour marquer plus les zones assez foncées. Je me rends compte que la lumière s'arrête jusqu'à la moitié du visage. Il ne faut pas que je dépasse de ça. Alors, je vais mettre un peu d'ombre bien forte là. Et pour marquer cette autre partie du muscle aussi, dans la partie supérieure, il y a un peu plus d'ombre foncée là. J'estompe un peu. Et je continue à travailler là. De toute façon, là par exemple, pour que la lumière d'ici puisse se voir, même si je rajouterai du clair après, il faut absolument que je donne une ombre. Sinon, on ne pourra pas la voir. Ça, c'est la façon comme on sort les lumières. Même là, je suis obligée de donner. J'en ai un, deux. Ouais, ça c'est la deuxième. J'ai tout cette zone dedans. Je vais mieux travailler l'approche au visage, mais pour le moment, ça me suffit ici. Là, il va rentrer ici un peu. Je vais corriger ça à tout à l'heure. On est là. Je pense que c'est un peu trop bas. Il vaut mieux que ce soit ici. À partir de là, je descends. Je descends pas tout à fait tout droit. Alors, pour faire ça, il faut être à peu près sûr parce que, après, comme je travaille avec les poussins recomposés, c'est très difficile à continuer à effacer et faire comme quand il y a les poussins tout seul. Je vous montre, je vais travailler un tout petit peu de la même façon cette partie et je vous montre après.